Le Rab, on est de retour pour un nouveau menu à découverte et aujourd'hui on est de retour sur le légendaire Cooking Simulator. Cooking Simulator, et cette fois on est sur les pour la sortie. Alors attendez, je vérifie la date. Parce qu'ils m'ont envoyé, mais est-ce que ça se trouve il sort plutôt négatif. Ah ouais, les évaluations sont plutôt négatives. Ah ouais, non, mais on va pas parler de ça. Alors, c'est développé par Big Cheese Studio et édité par Playway et ça, Big Cheese Studio, qu'on fait surtout ça. Mais surtout qu'on fait. Alors attendez, ils ont pas fait aussi. Simulator 2 Better Together. Ah, qui doit sortir. Oh, j'espère qu'ils me l'enverront. Et édité par Playway. Et ça, c'est disponible depuis le 13 juin 2024. C'est vraiment tout récent. Il est disponible au prix de 8,77€ actuellement en promotion. Attendez. Désolé, je lis un. Ok. On est parti, on n'avait pas lancé Cooking Simulator depuis un bon moment. Faire des sushis. Sélection de la cuisine. Mode détendu. Non, on est en mode. On est en mode stress de ouf. On n'est pas en mode détendu. Vous savez très bien que je suis très nul à Cooking Simulator. Bienvenue dans votre nouveau restaurant de sushi. Ici, vous servirez des plats traditionnels japonais aux clients en transformant vos ingrédients en sashimi, nigiri, rouleaux de maki. Si vous avez besoin d'aide, pour commencer, ouvrez votre téléphone et jetez un œil à l'application de tutoriel. Les nombreux sujets différents vous seront d'une grande aide. Bonne chance, amusez-vous bien. Alors, à skip, la traduction est pas folle. Sensibilité de l'assemblée. On va baisser ça tout de suite. Vitesse du texte, champ de vision. Oui, non, pas quand même. Ok, tab. Perk hub. Je vois une baguette magique qui enlève toutes les tâches et les tessons. Ok. Order up. En cours archivé, ok. Sushi sensei. Avocado maki. Alors, comment je fais? Éponge. La tamayago maki, rap à wasabi, racine de wasabi. Ok. Couteau à maki. Nori, grand conteneur. Couteau à maki. Couteau à sashimi. Petit bol. Sashimi d'avocat en tranche. Découpeur automatique. Ok. Oh, si je relève la V-Sync. C'est un peu mieux mais c'est pas parfait. Vinaigre de riz, sauce poisson, sauce soja. Oh. Mayonnaise Kupai. Racine de wasabi, on a de l'avocat. Riz. Passer cette phase. Ok, donc là je dois faire quoi? Sushi sensei, avocado maki. Je comprends pas ce que je dois faire. Gotcha recipe. Shop. En manque de fourniture, ouvrez l'application boutique. Ajoutez les articles à votre panier. Elle est horrible la musique qui est en train de passer. Retirez-les. Récupérez votre colis. Déballez votre commande. Certains articles apparaissent automatiquement dans les générateurs.
Cuisiner. Acheter des ingrédients. Utilisation des recettes. Besoin d'aide. Ouvrez l'application Sushi Sensei. Choisissez une recette. Vous pouvez l'épingler pour vous faire une référence rapide. Rassemblez les ingrédients. Vous pouvez également passer à l'onglet recettes. Maintenant, vous pouvez préparer votre plat. Ok, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Station suivante. Mieux. Oh, parce que là, là c'était agressif. J'étais sur quoi là? Préparation de tempura. Attendez, vous voyez pas en plus. Ajoutez un œuf dans le meita là. 500 g de farine, 300 g d'amidon de pomme de terre, 300 ml d'eau gazeuse, 50 g de glaçon. Faut pas mettre de la chèvre penko sur le tempo. Ok. Ah, faire des sushis. Préparation du riz. 500 g de riz dans la passoire. Oh, ça a l'air compliqué. Rincez-le dans l'évier. Ensuite, mettez-le dans le cuiseur à riz. Ajoutez 1 litre d'eau. Allumez le cuiseur à riz. Le riz cuit va dans le sushi, ok. Ajoutez 100 ml de vinaigre de riz. 25 g de sucre. Mélangez avec une cuillère. Et le riz est parfait. Parfait et prêt. Ingrédients de maquis. Mettre différents ingrédients dans un rouleau de maquis, ok. Poisson. Assurez-vous de choisir la découpe maquis appropriée. Mmh. Écume et fouet. Ça fait des découpes directes. Oh. Et j'utilise ça vraiment? Oh, c'est une arnaque. Mais j'avoue, si ça fait des traits parfaits. Ok, recommande de découper des trucs. Ok. Ingrédients nigiri. C'est à peu près la même chose. Différents ingrédients. N'oubliez pas de choisir la coupe sashimi. Donc le bon couteau, quoi. Tabaye gobaki, ok, ok. Ah. Sashimi, c'est des coupes sashimi ou préparation de maki. Voilà, tu vois, tu peux des os de maki, séparer d'abord les. Ok. Ok. Préparation de nigiri, servir des plats. Accompagnement, plat personnalisé, plat standard, évaluation du plat, mode de décoration. Ok, ok. Quel morceau de sushi, ok. Progression. Avantage, application des contacts. Phase de la journée. Alors, en début de la journée, donc là c'est là où je suis. Préparez vos outils. Travaillez des trucs dans les placards aussi. Cuisez le riz.
Préparer les ingrédients. Oh là 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 là. Ok, donc là, éventuellement... Pour l'instant, j'ai que des avocats. Avocado maquis. Ok, donc là, faut que je prépare... Attendez, je vais me mettre de l'autre côté. Parce que si ça sort tout le temps ici... Inverser... horizontalement. Parfait. Ok, alors... Pour l'instant, j'ai que ça. J'ai que des recettes... Hunter, ouvrir. Ok, alors comment je fais du riz? 500 grammes de riz dans la passoire. Insérez-le dans l'évier. Ensuite, mettez-le dans le cuiseur à riz. 500 grammes de riz. Alors, est-ce que j'ai du riz déjà? Je sais pas si j'ai du riz. C'est du riz ça? Ouais, j'ai du riz. Ok. Dans la passoire. Pire idée. Hop. MDR. Envie de canner. Autour incliner le sac. Je peux pas. Je peux pas le tourner le sac. Grammes de riz. Hop. Comment ça 650? Jeter, commande avancée. On va retourner. Vas-y. Rincer, commande. Là je fais quoi là? Vous devez voir bientôt. Ah bah mais j'ai pas... Faut bien rincer. Hop. Retourner vers l'avant. La journée commence maintenant. Comment ça la journée commence maintenant? Ah ouais, je suis pas prêt. Je suis pas prêt, attendez. Retour au menu. Attendez. Oui. On va recommencer, mais cette fois avec... Franchement, Cooking Simulator à dos. Oh. Ok, donc le premier truc... donc le riz, hop. 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 Et on le met là. Nettoie bien le riz. Toujours bien nettoyer le riz. Hop. Retour. Faire tourner vers l'avant. Faire pivoter. Riz rincé. 400. Oh, comment je fais pour perdre du riz? C'est parce que en le... Il
Versement 200 grammes, mais il y en a que 175 là-dedans. Bien nettoyer son riz. Ok, j'ai déjà un peu d'avocat, maquis d'avocat découpé, ouais. Bande de nori. Il faut voir, j'ai des avocats là. Riz raté. Comment j'ai raté mon riz? C'était le jeu. Retour au menu. Comment j'ai raté mon riz, putain? Nouvelle partie. Putain, j'arrive même pas à cuire du riz, quoi. Putain. Je suis débile. Ah, il y avait pas d'eau. Ok. Non mais je suis débile. Je me suis dit paf, c'est un jeu. Je vois trop ça comme un jeu simple. Donc c'est pas un jeu simple. Vas-y, on y va. Hein. 1 litre d'eau, hop. Y a pas de barre ni rien, me perturbe quelque peu. Pardon. Résultat, là il me faut 1 litre d'eau. Où est-ce que je trouve de l'eau ici? De l'eau ça? 1 litre d'eau. Ouais, de l'eau en bouteille carrément. J'ai mis à moitié à côté. Enfin, peut-être pas assez de... Faire des sushis, préparation du riz. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas accélérer. 500 grammes de riz. Ça c'est bon. Rincez-le. Ok, ça c'est bon. Mettez-le dans le cuiseur à riz, ça c'est bon. On a mis de l'eau. Ok, that's good. Allumez le cuiseur à riz. Le riz va dans le sushi, ok. 100 ml de vinaigre. 100 ml de vinaigre. 100 ml de vinaigre. Et 25 g de sucre. Riz cuit et rincé. 1,6 kg. Comment je... Oui, j'ai... Hop. 100 ml de vinaigre. Putain, on va réussir à avoir fait du riz vinaigré, mais incroyable. C'est quoi? C'est pas du riz. Vinaigre de riz, sauce poisson, vinaigre de riz. Ok. Je suis plus doué pour la cuisine dans la vraie vie. Hein. Peut-être mis un peu trop de vinaigre. Et combien de sucre? On va juste en taper. Il faudrait que je prenne des notes en fait. Il faudrait que je sois un vrai apprenti. Ok, 100 ml de vinaigre, 50 g de sucre, c'était pas un truc dans le genre? 25 g de sucre, ok. Ensuite, je mélange avec une cuillère.
Et ensuite, le riz parfait est prêt. Ouais, parfait, je suis pas sûr, mais... 25 grammes de sucre. J'ai mis beaucoup trop de sucre. Ok, et là maintenant... Manipulation précise des outils dans la cuisine est très importante. Maintiens la touche Shift enfoncée pour ouvrir de nouvelles façons de manipuler tout ce que tu as actuellement dans ta main. Mmh. Ouais, ouais, c'est moi qui le fais, ça. On veut plus de la vidéo de préparation du riz, putain. Pas mieux faire en tuto, hein. Y a un effort. Intéressant, c'est que malgré tout, ouais, on pourrait regarder ça sur TikTok, mais là, on peut pas avancer, reculer. Ce serait bien qu'on puisse avancer, reculer dans la vidéo de tuto, quoi. Ouais, ouais. 100 ml de vinaigre de riz. 25 g de sucre. Ensuite, on mélange avec une cuillère. Et le riz parfait est prêt. Ok, ça ressemble à peu près à ça. Et comment... Comment je... Mettez des boules de riz sur le... Ah d'accord, ok, il y a différents types de supports, donc ça c'est pas... Ça c'est planche à découper. Stand à nigiri, ok. Et tapis de roulage de maquis. Ok, il y a deux stands. Mais donc là je peux faire... Ah, et là ça me met le riz, c'est ça? Ok. Vas-y, révisons rapidement. Ok. On y façonne. On ajoute un peu de wasabi. Mais j'ai pas ajouté de wasabi, donc j'imagine qu'il faut que je prenne... J'ai plus de wasabi là. Faut déjà que je rachète du wasabi. J'ai déjà plus de wasabi. Et où mon wasabi? Ah, j'ai encore du wasabi, ça va. J'en ai 4. Ça va. Le wasabi, ça ressemble un peu à du gingembre en fait. Petit conteneur. Hop, voilà. Ok, j'ai mon stock de wasabi. Comment on fait des sushis? Faire des sushis. Mettre des boules de riz, façonner-les. L'ingrédient principal, ok. Bande de nori. Il suffit de mettre le nigiri sur une assiette. Ah ouais, mais j'ai pas de bande de nori, moi. Bande de nori. Ah si, là j'ai de la bande de nori et là j'ai de la feuille de nori. Ok. Ok, ça c'est mes assiettes. Ah oui, ça me coûte à chaque fois là que je sors un truc là. Ok, vas-y. La journée commence maintenant. Je pense que je suis à peu près prêt. Préparer le nigiri. Hop, hop. Modifier le nigiri. Hop. Ok.
Bon, ça va, c'est simple. Quitter le mode création. Comment je... Ajouter le wasabi. Hop, 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 hop. Ouais, attacher le produit. Hop, 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 hop. Bon, ça va, une fois que c'est... Une fois... En fait, le plus compliqué au final, c'est le riz. Quelqu'un veut quelque chose ici? Bonjour, bonjour madame. Avocat de maki, une option... Plus fois 1 option supplémentaire. Avocado maki. Donc avocado. Avocado maki. Ils sont où les maki? On ajoute le riz, on étale sur la feuille de nori. On ajoute un ingrédient. On roule le maki. Et après l'avoir coupé avec un couteau à maki. Ok, ok. Simple, efficace. Normalement, hop, je mets ça comme ça. Je vais juste prendre le riz qui est là. J'ai pas pris la madame à côté. J'ai déjà perdu une cliente. Ajoutez le riz. Hop, ajoutez le riz. Ajoute le riz. Je suis débile? Ouais, ok, je suis débile. Hop. 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 Oh. Oh, ce riz est infini. Hop. Voilà, c'est bon, madame, ça ira. Je pense. Retour. Ingrédient manquant. Oui, je vois bien qu'il y a un ingrédient manquant. Hop. Hop. Rouleau de maki. Hop, on le roule. Ça manque d'action à faire nous-mêmes, je trouve... Et là, il me faut un couteau. Couteau à maki. Oui, bonjour madame. 4 avocats de maki et une option supplémentaire. Ah ouais, donc ça, c'est la taille. Hop. Perfection. Hop. Ça, c'est une assiette moyenne. Hop. 1, 2, 3, 4. Résultat, je lui en offre un. Un petit bol. Essaye de ne pas faire faillite dans la cuisine. Pratiquement tout coûte de l'argent. L'assiette ne prend pas plus que dont je veux fermer. Ok. Sinon, tu vas faire faillite. J'aurais pas à leur préparer de la sauce soja. J'ai pas de sauce soja. Sauce soja sucrée. Pourquoi sauce soja sucrée? On est au Japon, wesh, ou... Hop. Juste mekai. Comment... Je peux pas lui mettre, là? Non. Faut que je prenne ça. Et ensuite, ça. Jeter, interagir. Oui, ta gueule. La sauce soja... Et montrer plus, afficher moins. Ouais. Hop. C'est bon toi? Bah c'est bon toi. Tu manges ou madame ou c'est comment? Moyenne assiette. Petite assiette. Est-ce que ce serait pas mieux sur une petite assiette? Comment avancer, déplacer verticalement. Comment je rentre dans...
Comment je valide la commande? Ça vous va pas la commande là? Shumaki, c'est des Shumaki? Comment ça des Shumaki? Ah ouais, non, mais c'est des Shumaki! Ah ouais, non, mais attendez. Attendez, excusez-moi, mesdames. Je vais reprendre ça. Non, tu bouffes, toi? Shumaki personnalisé. Ah ouais, mais c'est parce que j'ai mis trop d'avocats, en fait. Je suis un connard, en fait. Hop. Jeter. Ah non, mais c'est pas ça que je... c'est pas comme ça que je voulais le jeter. Bon, tant pis. Hop. Alors, j'ajoute du riz. Ok, ajouter du riz. Tac, tac, tac. Ensuite, je prends la cuillère. J'étale bien. Oui, on étale bien. On étale bien tout le riz. Hop. Et là, il me faut juste que j'en fasse comme ça. Voilà, c'est bon. Hop. Ingrédient manquant. Comment ça, ingrédient manquant? Bah là, c'est bon, là. Mais, tutoriel, faire des sushis. Préparation de maki. Des osso maki. Placer d'abord sur le support un maki. Ajouter du riz. Mais non, mais moi, je veux juste faire des maki. Étaler sur le nori. Ajouter un ingrédient. Rouler votre maki. Et après l'avoir coupé avec un couteau à maki. Mais pourquoi ma feuille, elle est pas aussi... Elle est aussi... C'est trop grand, en fait, ce que j'ai. Oh, putain. Non, mais caca, vide. Caca. Il me reste combien de temps? 3 minutes, ok madame. Séparé, hop. Voilà, ok, c'est bon. Voilà, tac. Oui, je coupe le... Okay. Tac, tac, tac. Hop. D'accord, ok, je faisais des maquis trop gros. Au pire, je lui aurais vendu au même prix. Fais chier la madame. Hop, étalé au riz. Là, tac, 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 tac. Ok. Et maintenant, on roule. Rouleau de maquis. Vas-y. Ok. Hop. J'ai découpé n'importe quoi. Ok. Hop. Hop. Compliqué juste pour faire des maquis. Hein. Hop. 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 Tac, tac, tac. Tac. Hop. Et voilà pour madame. Mais ça, résultat, comment avancer? Ouais, il faudrait des shoot-maquis. Tac, tac, tac. Tac. Hop. Et voilà pour madame. Fou. Alors attendez. Servir des plats progression. Plat personnalisé. Plat standard. Évaluation du plat. Accompagnement. Vous pouvez servir des accompagnements avec les plats. Une du wasabi. Ah oui, c'est vrai que je pourrais leur proposer ça. Une option supplémentaire, j'imagine que c'est ça. Hein. La sauce soja, ouais. Ou du gingembre. J'ai du gingembre quelque part. Placez-les à côté du plat, servi et confirmez-les. C'est ça les optionnels extra, je pense, je suppose. En tout cas, ils étaient contentes. Ok. Bonjour madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Avocado maki, c'est tout de suite, c'est maintenant. Hop. Non. Non, quitter le mode création. Comment je jette? Séparer. Ah oui, non mais... Attendez. Hop. Hop. Faites pas attention, c'est un peu le bordel dans ma cuisine. Ok, je remets. Donc là, je me remets. Alors attendez, il y a une madame là. Hop. 4 avocats de maquis. Ok, c'est parfait.
Non, je reste comme ça, tac. Un peu de riz. Bon, une fois que t'as la recette et que tu sais comment faire, ça va. C'est juste que le temps d'apprentissage. Encore là, là c'est assez simple. J'ai perdu. J'ai gâché tellement d'avocats. Rouleau de maquis. Hop. J'étais parti pour que ça le fasse tout seul. Ils m'ont pas rendu les assiettes. Est-ce que je peux en mettre 4 là-dessus là? Alors attendez. Hop. 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 Voilà. Est-ce que je peux en mettre 4 là-dessus? Paf. 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 Ah non, c'est vraiment j'en mets un quoi. Il vaut mieux rester sur une petite assiette. Tac. 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 Bon madame. Une autre petite assiette. Tac. 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 Bon madame. Je peux pas prendre du... Elle est où ma pâte à wasabi? J'ai fait que ça en wasabi. 100 grammes de wasabi râpé? Non mais peut-être pas mon ref. Je vais pas lui donner 100 grammes de wasabi râpé. Comment d'avancer? Ouais, non je vais lui donner de la sauce soja. Hop. Voilà, un peu de sauce soja sucrée traditionnelle, hein, bien sûr, japonaise. Comment ça, j'ai un accent marseillais. Faites-moi confiance, madame. Hop, voilà. Ouais. Ah, il en manque un? Merde, bah merde, il en manque un. Maquis d'avocat. Excusez-moi, madame. Il est tombé sur la route. Oups. Maquis d'avocat. Maquis d'avocat, c'est bon, hein? Il y a quoi? Maquis d'avocat, c'est bon, hein? Non, il y en a un qui va pas. Hein. Celui-là, il est bizarre. Je crois que c'est celui-là. Hop. Lâcher. Hop. Non, mais revenez, madame, je n'avais pas fini. Ça, c'est pas des. Shumaki personnalisé à 2 ingrédients. Ouais, ouais. J'ai du bon. J'ai. Qui veut. Putain, je lis dans les pensées des gens, tout le monde veut de l'avocat. L'avocat, c'est l'avenir. Mais j'ai plus d'amis, là. Plus d'amis, bon, il y a quoi à la radio en ce moment? Ce serait bien que je fasse un peu de découpe. Je vais prendre un avocat. Hop. Oui, un instant, madame. Hop. Oui. Et vous? Avocat de maquis. Ok, je vous prépare ça tout de suite. Faut que je remplace. Bref, dans quelques instants. Bon, ça faudrait que je les mange. Si je pouvais, je les mangerais moi-même, mais. Sashimi d'avocat tranche. Maki d'avocat. Ah oui, ça fait de la bonne découpe en fait, un seul avocat. Hop. Elle est horrible cette musique. Faut que je change de station. Ingrédients manquants. Oui, je sais. Parfait. Hop. Tout.
Hop. Hop. Et bah, y en a un, il sera bien gros sa mère. Hop. Ouais, un peu d'argent. Tac, tac, tac. Est-ce que je peux faire. Tac, 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 tac. Pour l'instant, je suis pas dans la création artistique. Hein. Je suis dans la simplicité. On appelle ça le simple art. Inspiré du d'incroyable groupe classique Simple Plan. Bon, ça va, les maquis, je commence à prendre le coup de main. C'est juste la préparation. En fait, c'est juste la phase de préparation qui est un peu chiante. Hop. Voilà. Nouveau fournisseur de poissons. Tu viens d'arriver en ville? Pas vrai. J'ai du bar frais que je pêche moi-même tous les jours, alors n'hésite pas à m'en acheter. Mon idéal se trouve sur le marché aux poissons un peu plus loin dans la rue. Cherche le stand poisson de Miura. Au fait, je m'appelle Miura no Azaki. Nouvelle statuette. Kappamaki Shibasu Maki Shibasu Kappa Avocado Nigiri Shibasu Nigiri. Du poisson. Bam 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 bam. J'ai des points là. 13, 8. Ça, c'est toutes mes nouvelles recettes. Fiche express. Filet de bar. Il manque un maquis là. Ah ouais, il manque un maquis à madame. Pourquoi il... Elle me l'a bouffé. Désolé madame, j'ai oublié votre maquis. Filet de bar. Filet de bar, peut-être... ouais, 8 ça ira. Hop. Merde, excusez-moi, désolé monsieur. Ça c'est mes recettes. Ok. Là, j'ai quoi là? Nous un des grands gingembre mariné. Oh, un petit peu de gingembre, ce serait pas déconnant. On va en prendre 4, pour l'instant 3. Ouais. J'ai quoi de nouveau? Du concombre? Du daikon. Ok, ok. Mayonnaise kiopai, vinaigre de riz. Oui, excusez-moi. Des kappamaki, c'est quoi des kappamaki? Des kappamaki, c'est quoi des kappamaki? Kappamaki. Ensemble, kappamaki nigiri. Kappamaki. Moitié de nori, riz coincé, maki de concombre découpé. Ah, il voulait du... Ok, d'accord. Kappamaki, viseur. Ok. Vinaigre de Shibasu Kappa. Oh là là, ça va être compliqué ça. Tout est arrivé là chez moi, j'imagine. Ok. Alors attendez. Vinaigre de riz, kappamaki, avocado nigiri. Alors deux avocados nigiri. Donc déjà on. Deux avocados nigiri, ça j'ai déjà. Et il veut des kappamaki. C'est quoi des kappamaki? Moitié de nori, ok. Une moitié de nori. Ah merde! Non! Oh non! Oh fuck! Servi ensemble, plat ordinaire, client, merde. Terminé la journée. Dépense 18, profit 126. Bah oui, oui, j'ai pas le... Il est hors de tout nettoyer. Oh putain. Faut que je reprenne à zéro. Thank you.
Hop. Un concombre. Un concombre, ça devrait aller. Hop. Ok, j'ai du concombre de préparer. Hop. Un peu de wasabi. Là, j'ai pas de wasabi. Ce qui serait bien, c'est que je prépare du concombre. Je sais pas si ça se prépare en sashimi. Je peux pas le mettre là-dessus? Non, j'ai découpé. Non, j'ai découpé. Non, je peux pas le mettre là-dessus. C'est le moment où la cuisine commence à être un bordel. Faut que je me fasse un sashimi. Vas-y, ouais, ta gueule. C'est bon, je vais faire à peu près un sashimi, ça je devrais m'en sortir. Hop. Tac, 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 tac. Quelques sashimi d'avance. Petit filet de barre là-dessus. Commencer à le découper en sashimi. Je peux pas le découper en sashimi le filet de barre. C'est quoi, je le mets là-dedans? Bah wesh. Hop. Trop bizarre, ça a bugué. Tac, tac, tac. Tac. Je prends le coup de main. En vrai, pour la préparation. Oula. Personne n'a vu. Et comment le riz? Ouah, 860 grammes. C'est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Bon, il y a des aliments qui sont plus ultra, ultra frais, je l'avoue, mais. Couteau à maquis. Ah, mais non, ça c'est déjà le couteau à. Maquis de barre découpé. C'est bien le couteau à sashimi que j'ai pris. Mais pourquoi il me fait le couteau à sashimi, ouais. Si je reprends un autre bar, comment ça se passe? Et que je prends le couteau à maquis. Ouais, ta gueule. Pourquoi? Pourquoi? Découpe pour les sashimi. Ah, voilà, de côté. Hop. Bon, j'ai de quoi faire beaucoup de maquis, quoi. Make 300 sashimi. Quoi? Déjà, j'ai déjà. Quoi? Comment ça, j'ai fait 300 sashimi? Bilibili 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 bilibili.
Vous devez ouvrir bientôt. Ouais, ouais, je sais, t'inquiète, t'inquiète, c'est connu. Je crois que je suis à peu près prêt, hein. Vas-y, let's go. Je suis pas totalement prêt, j'ai oublié le gingembre. Il est où mon gingembre? Il est où? Hello! Un petit air d'accordéon. Ah là là là. Attendez. Je le fais juste après la fin de la journée. Je sais pas si je peux mettre... Attends. Kappa Mikey, Shibazu Kappa. Attendez. C'est bon, ça avance pas le temps. Comment va, Ria? Attendez, ça fait trop longtemps, je sais plus où est... Ah, ils ont... longtemps. Je vous ai dit que je ne savais pas jouer d'accordéon. C'est ça la blague. Oui, c'est un accordéon pour enfants. Bof, on fait aller et toi. Bof. Bah alors, petite journée aujourd'hui. J'ai déjà oublié comment on joue. Attendez, je l'ai pas mis à l'envers là, pour moi. Si, je l'ai mis à l'envers pour moi. À faire un morceau, mais je me souviens plus. J'arrive à peu près. Peut-être en plus aigu. Que c'est. Mais c'est Amélie Poulain, c'est le seul truc que je sais jouer. Pas mal.
Mais je connais pas les notes. Je me suis dit, attends, Brune, pareil, je lui ressemble. Et t'es brune, brune. Ah, parce que t'as une coupe. Elle avait pas une coupe au bol aussi? Quartier me déteste désormais. Je sais pas si je dois rester ou partir. Je suis revenu à ma couleur naturelle. Si coupe carrée, un peu court et brune. Oh, en vrai, elle a un style, hein, Amélie Poulain. En vrai, c'est pour ça aussi qu'elle a marché. Elle a un style incroyable. Hein. Un charisme de fou. Sous-côté. Ok, on reprend la merde. Comment va, Annie? Avocado Maki. Alors, elle veut des avocats de maquis. Je suis nul, hein, je préviens. Avocats de maquis, hop, tac. J'aime bien parce que à chaque fois que tu découpes, ça le met au sol en mode bas les couilles. Hop. Et voilà. Et après balmusette, je fais mettre sushi. Bah là, il va sourd, sinon correct. Alors, arrêtez, vous savez que je vous adorez quand je joue mal de l'accordéon ou de la guimbarde. T'es. Avocado maquis, maquis de concombre. Oh, j'ai pas vu, il y avait des petites étapes. Toi, maquis. 1, 2, 3, 4. Faut économiser. Sur les derniers, hop, tac, hop, et hop. Ouais, c'est des bons gros maquis sa mère. C'est vraiment quand tu vas dans un restaurant de sushi pas ouf. C'est à peu près à ça que ça ressemble. Bon, il y a un peu de poisson au sol, ça va, tout va bien. Tac, 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 tac. Et tu sais, avec bien blinde de riz et très peu de garniture. Moi, je kiffe l'accordéon. Je sais pas si je dirais que je kiffe l'accordéon. Disons que l'accordéon est un instrument qui est souvent rattaché à aux gens vieux, quoi. Et quand c'est utilisé de manière un peu plus rock et métal, tout de suite, c'est un peu plus intéressant, mais... C'est... Hop. Deux kapamaki. C'est quoi des kapamaki? C'est des cocombes, je crois. Hop. Il me faudrait... Ça serait bien que je prépare... Hop, tac, tac, tac. Tac, hop. Kapamaki. Kapamaki, je crois c'est ça, je crois c'est du concombre. Hop. C'est mon côté tradi, je viens d'une famille tradi. Ah, d'accord. Ouais, je peux comprendre. Ouais, chez moi c'est vrai que le côté tradi de ma famille... Ma famille était entre tradi et prolétariat ouvrier. Donc on avait les petites émissions d'accordéon là, qui avaient... qu'il y avait le dimanche là, mais moi c'est évidemment les trucs que je fuyais le plus, quoi. Kapamaki, Shibasu Kappa. Je regardais par curiosité et à chaque fois je trouvais ça un peu cringe. Déjà en fait c'est vraiment une époque où genre les vieux ça me fait peur. Les vieux, quand j'étais jeune, vraiment, vraiment, la vieille, les vieux, les rides, les gens qui avaient des rides, vraiment, j'étais dans une PLS mentale quand j'en voyais. Je crois, grande assiette, Shibazu, non, moyenne assiette, ça devrait aller. Tac, 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 tac. Ça tient. Tac, 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 tac. Vous n'avez rien bu, madame, c'est un tour de magie. Toi, tu veux deux kapamaki. Ah, mais ça, toi, je peux te servir maintenant, en vrai. Toi, il te faut des Shibasu Kappa. Alors, attendez, Shibasu Kappa.
Bah, désolé, je vous lis juste après. Shibazu, Shibazu Kappa, Shibazu, Shibazu, donc c'est le Shibazu Kappa, Shibazu Maki, Riku, Maki de Konkou, Maki de Bar. Cuiseur, utiliser tout mélanger avec une cuillère. C'est Nori, cuillère à bois. Cru coupé en tranches, filet de bar, ok. Ok, simple, simple, simple. Alors attends, par contre, c'est une feuille de nori complète, ok. Là, cette fois, c'est la feuille de nori complète. Hop. Moi, c'était Trad, Kato, Vénère. Ah, ah ouais, c'est... ça ressemble beaucoup à ma famille, hein. C'est ce que t'es en train de décrire. Moi, c'était vraiment, ouais, Sarko, UMP, tout ça. T'as vu? Aïe! Nous, on l'a fait lire et tout. J'ai envie de canner, putain. Mais en même temps, j'étais dans une ville UMP, en fait, donc... J'étais dans la ville, vous connaissez tous... J'ai eu le plaisir d'avoir Gérard Laché, que je voyais dans ma rue et qui me tapait à discute, et je m'apercevais qu'il connaissait pas sa ville, et que je me suis rendu compte. Alors, attendez. Kappa Maki... C'est quoi? C'est du concombre qu'ils veulent? Maki de concombre? Ah ouais, non, mais c'est vraiment, vraiment le concombre dans les makis, je déteste ça. Non. Ça c'est concombre, hop, tac, 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 tac. Ok, tac, 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 tac. Et rouleau de maquis. Mon grand-père était maire adjoint à MP. Ah. Moi les vieux sont les gens qui m'angoissent le mieux. Ouais non mais tu vois, genre, Madame Celle elle est beaucoup comme ça, ça angoisse pas les vieux. Kappa Maki. Alors attendez. Je peux lui faire... Hop. Ah non, non, moi ça m'angoisse moins maintenant. En fait, les vieux, les enfants, je sais pas quoi leur dire en fait. Quand les vieux ils me parlent de trucs modernes, ça va, ça me détend. Mais dès que. Ouais, on va se débrouiller comme ça. Ok. Ah, veut que deux en fait. Ah merde. Donc une grande assiette, ça me sert à rien. Avocado Maki. Kappa Maki. Donc en fait, tac. Tac. C'est une très grande assiette pour madame. Tac. Tac. Mais bon, la présentation, on repassera, je suis d'accord. Est-ce que je peux lui mettre dedans? Non. Voilà pour madame. Et monsieur, il veut deux Kappa Maki. Putain, il... deux Kappa Maki. Et deux avocados de nigiri. Hop. Qui datent d'hier, mais il ne le sait pas. Bonjour, voilà, monsieur. Clairement, il date d'hier. Hein. C'est vraiment... Je suis vraiment le resto japonais dans une ruelle sombre à Paris et... pas tenu par des japonais, mais pas tenu par des asiatiques non plus, tu vois. Voilà. option supplémentaire. Vraiment, la fille de Adam, elle a pas de collision. Non, c'est parce qu'ils sont très fusionnels dans la région, en fait. Moi, les vieux gens, c'est... mon grand-père était le maire adjoint. Bonjour, monsieur. C'est collision de clients. Oui, voilà. Deux Kappa Maki. Alors, ce qui est bien, c'est que j'en ai d'avance, résultat. Deux Kappa Maki et deux avocats de Nigiri. Deux Kappa Maki. Hop. Voilà. Ah, parfait. Ça, c'est bien, ça. Ça c'est bien, les sushis. Tu peux en préparer d'avance. Les clients, ils voient rien. Ils sont bourrés au saké. Hop. Ils captent rien. Ah là, ils sont... Ils vous direz... Oh, mais oui, il est très frais, mon poisson. Deux Kappa Maki et deux Shibazu Kappa. Hop. Ça, c'est des avocados Maki. Ah, je commence à plus avoir de Kappa Maki. Hop. Hop. Pour moi, j'avais commandé du gingembre. Du gingembre mariné, mais je vois pas où il est allé. Le frigo grand ouvert. Il y a aucun respect de la chaîne du froid. Daikon. Gingembre mariné. Ok. Comment je prépare du gingembre? Voilà, j'ai préparé du gingembre. Hop.
Et un peu de gingembre pour monsieur. Kappa Maki Shibazu Kappa. Eh, let's go! Et j'ai gagné 750$ depuis, depuis le début de l'ouverture. Je suis crevé, j'ai la flemme de faire à manger. On commande un truc. T'as mangé quoi ce midi? Sushi? Non, ce matin, ce midi, j'ai mangé une pizza, mais je veux bien des sushis ce soir. Je suis dans le thème en plus. 4 avocats de Maki, 2 avocats de Nigiri, 10 Shibazu Maki. Tac. Tic, ouais, I guess. Shibazu Maki, donc résultat des Shibazu Maki. Je dirais qu'il faut que je... Hop. Attendez, je vais prendre la commande de monsieur. Hop. 4 avocats de Maki. Alors moi ce qui me manque, 2 avocats de Maki, 4 avocats de Maki. Des avocats de Maki, ça c'est bon. Avocado Nigiri, j'ai pas. Et Shibazu Maki. Pour ça, je propose. Alors, on commande quand tu as fini et tu m'aideras à réfléchir aux affaires pour demain. C'est-à-dire. Oui, mais après. C'est-à-dire, quand j'ai fini à 22h, bah, ça sera fermé. Hein. Mais je peux regarder ce que je prends rapidement à ma pause entre les deux jeux. Attends, j'ai oublié, ils voulaient quoi? Ah non, ils veulent juste du thon. Ils veulent juste du thon, je crois. Hop. Bah, on commande tout à l'heure, là. Hop. Hop. Ok, donc 4 avocats de Maki, donc on a 4 avocats de Maki, peut-être une assiette moyenne là. Attends, j'ai pas déjà acheté une assiette moyenne? Non, c'est bon. 4 avocats de Maki, ok, ok, ok. 2 avocats de Nigiri, ah putain merde, j'ai pas d'avocats de Nigiri. Merde, ouais. J'aimerais bien une table en plus. Merde, merde. Ah. Excusez-moi, c'est mon troisième jour. Je suis encore un peu perdu dans ma propre cuisine. Des avocados de nigiri. Donc, avocado nigiri, faut que je fasse... Faut que je ramène le riz. Enfin, faut que je refasse du riz, d'ailleurs. Un moment. Ok. Hop. Former le nigiri. Ok. Hop. Hop. Avocado nigiri, ouais. 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 Hop. Donc, avocado nigiri, 4 avocados maki, Shibazu maki. Donc, Shibazu avocado nigiri. 2 avocados nigiri. Ah ouais, non, mais je les ai pas finis, merde. Hop, 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 hop. Ouais, ils sont magnifiques. L'hygiène MDR. Mais si, le sol est propre, ça va. Shibazu Maki. Hop, tac, tac. Bon, la présentation, c'est pas du tout ça, mais je sais pas comment faire autrement. Attendez. Affichez-moi. Attraper. Commande avancée. Faire tourner, lâcher. Déplacer verticalement. Oh là 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 là. Quatre avocats de Shibazu, 2 options supplémentaires. Ah, résultat, hop, hop. 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 2 options supplémentaires, donc une petite boule de... Hop, un peu de gingembre. Ok, toi c'est bon, on envoie. 4 avocats de Maki pour monsieur. Là je fais mes Shibazu, hop, hop, hop. Hop, hop, et voilà. 4 avocats de Maki. Toi, tu veux des avocats de Maki. Oh, c'est parfait quand quand les clients se coordonnent comme ça. Ah, j'ai plus assez d'avocats. Hop, un avocat. Hop.
Je veux cette machine pour faire des maquis, c'est trop bien quoi. Est-ce que ça existe vraiment une découpeuse comme ça? Est-ce que c'est ce qu'ils utilisent vraiment au japonais? Ah, c'est parce qu'il est pas vide. Avec mes bras extensibles. Ouais, ça arrive, hein, mesdames et messieurs. En attendant, ah, en attendant, je peux faire le riz. Oh, oh ça, y a plus grand chose en riz là. Il me reste combien de riz là? 20 grammes. Ah ouais, je vais pas aller loin. Hein. On ferme après cela. Hein. Ça a l'air trop bien. Moi aussi, je veux une découpeuse. Ça a l'air trop bien. T'as vu, ça te fait des bâtonnets de tout ce que tu mets dedans. Je sais pas si ça marche vraiment comme ça, parce que vraiment, quelle que soit la forme de l'aliment, ça te fait des petits bâtonnets. Je voudrais trop un truc comme ça. Travailler les défenses militaires. Voilà, moi ouais, c'est toujours ce que je me suis dit. Dans mon quartier, c'est à peu près comme ça que je voyais les, l'épicerie. Je voyais l'épicerie. Parce qu'en fait, genre, vraiment... avocado maquis... Oh non, j'ai fait de la merde. Oh, j'ai fait de la merde. Je peux pas remettre... Ah non... J'ai pas découpé la feuille. Est-ce que j'ai assez de riz? Ouais. Au revoir. Je trouve pas cette machine sur internet. Découpeuse automatique, ingrédients avec un petit conteneur. En vrai, ça ressemble à un truc qui pourrait exister, hein, mais... De fou, non? Je le mettrais... Mais ce serait super pour des ordi. En vrai, ouais. Ça, par contre, ouais. J'ai pas pensé comme ça. Moi, j'ai juste pensé en tant que feignant. Perso, moi, avec les douleurs chroniques... Ah oui, si t'as des douleurs... Faut pas être simple pour découper ou faire des choses un peu précises. Écoutez, alors attendez, est-ce que j'ai eu mon truc avec Gacha? Donc là, je peux avoir des nouvelles prix garantis. Prix garantis. 10 pièces. Du cochon campion. Avec du tempura de poivron rouge et du campion. Ah ouais, mais si j'ai pas envie d'apprendre ces grandes recettes. Sushi cochon campion. Ok, j'ai eu ça. Et j'ai fiche express. Ah, perk hub. Ah, j'avais pas vu ça. Recevoir une baguette magique qui enlève toutes les tâches des tessons. Attraper et porter des ingrédients chauds à la main. Amateur de poisson. Le poisson est 20% moins cher. Traitement thermique 20% plus rapide. Gros pourboire. Pas aujourd'hui. Renégat du riz. Bouteille incassable. Les bouteilles nous casseront. Soit augmenter le temps de service d'un plat de 20%. Pour marcher plus riz, longue portée, plus longue portée quand vous attrapez ou posez les objets. En vrai, il y a des compétences vraiment intéressantes. Order up, fais voir. Expérience 13, récompense 42, expérience... Ok. En vrai, Dive the Diver était mieux. Ouais, mais tu vois bien que c'est pas le même genre de mécanique. C'est pas l'intérêt, tu vois. L'intérêt, c'est que tu galères en train d'essayer de vraiment cuire les trucs. Alors que Dive the Diver, c'est quand même de la collection de mini-jeux. T'es vraiment... fact. Non mais vraiment, vous comparez deux trucs différents quand même, les gars. C'est marrant, c'est Cooking Simulator, parce que c'est difficile. Bref, on va s'arrêter là. 1h15 de VOD, c'est plus qu'il n'en faut. En vrai, quand même, c'était mieux. En vrai, GTA 5, c'était mieux. En vrai, le porno allait mieux quand... Je sais pas où aller, où... Je vais pas finir cette phrase. En fait, c'est drôle, j'allais dire Mia Khalifa, mais parce que Mia Khalifa, elle a tourné que 26 films, je crois, dans sa vie. Et elle a eu une carrière de 6 mois, à peu près, mais tout le monde s'en souvient. En vrai, paye-moi. Ok, attends, vas-y, je m'occupe de tout. Conclusion. Ok, c'est très fun de faire des sushis dans Cooking Simulator. Faut voir ce qu'ils proposent un peu comme variante parce que j'ai vu qu'il y a du tomogoyaki, les trucs avec les œufs. Est-ce qu'il y a des ramen? Est-ce qu'il y a des trucs comme ça? Est-ce que c'est vraiment que sushi? Recette, ustensile, préparer sushi, des nouvelles mécaniques pour une découpe parfaite.
Ça manque un peu d'autres... Desservez des plats personnalisés. Ouais, il y a l'air d'avoir d'autres recettes un peu cachées. S'il y a des ramen et tout ça, je trouve ça ultra intéressant. S'il y a juste des sushis, je trouve ça assez simple. Ensuite, c'est un petit DLC à 10 balles. C'est pas un Shadow of the Tree à 40 euros. Moi, je trouve ça plutôt cool de faire vivre le jeu comme ça. Je suis curieux de ce qu'ils vont faire pour la suite, pour Cooking Sim 2 qui sera en coop. Le seul gros point noir que je trouve, c'est que c'est toujours autant... Je trouve que niveau tuto, il n'y a pas vraiment d'effort, en fait. Il y a un effort, mais genre, par exemple, le fait de les vidéos, tu peux pas les... tu peux pas te diriger dans la vidéo, t'es obligé de remettre la vidéo au début pour avoir un ingrédient ou une étape sur la fin. Ça, c'est un peu dur. Que le tuto, il soit pas forcé, je trouve ça intéressant. Mais que le tuto pas forcé soit compliqué à accéder, je trouve ça beaucoup moins intéressant. Et c'est peut-être le gros point noir que je trouve. Une fois qu'on est dedans, ça va, ça commence à être un peu plus simple. Faut voir ce qu'ils font comme mécanique après. J'imagine que bien sûr on est dans des recettes beaucoup plus simples au début et plus complexes. Est-ce qu'il y a que du sushi? Est-ce qu'il y a d'autres plats japonais? Parce qu'on confond souvent, on rapporte souvent le sushi, les nigiri, les sashimi et tout ça au Japon, mais là-bas c'est pas un plat de tous les jours et c'est pas ce qui se fait le plus dans les restaurants. Les restaurants à sushi, on n'a pas tant que ça. Il y en a quand même, mais c'est pas le truc plus commun, quoi. Vraiment, le truc plus commun, ça va être du ramen. Donc, si on tombe sur d'autres recettes, ouais, je trouve ça intéressant. Sinon, un peu moins. Faut voir. J'aimais. Voilà, juste le tuto était pas fou. C'est toujours cool d'avoir un DLC un peu à thème. Je sais qu'ils ont fait un truc Shelter aussi qui avait l'air Shelter en mode. En effet, c'est resto ramen ou Nem. Ah non, pas Nem. Bah oui, c'est chinois. Enfin bref, encore merci à eux de m'avoir envoyé cette clé pour ce petit test, on les remercie. Je vous fais des gros bisous salés, n'oubliez pas les recettes, les cuisines ferment leurs portes. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Découverte. Ciao!